nous sommes dans une période de records qui tombent. Mais de records sans le moindre chiffre. Alors, après Xbox, qui a évoqué des ventes records pour les Xbox Series à son lancement, eh bien c'est au tour de Call of Duty, oui, de nous dire qu'ils ont pété les scores véritablement avec Call of Duty Black Ops Cold War, donc le dernier titre qui est sorti vendredi dernier. Voici leur communiqué. La sortie de vendredi a établi un nouveau record de vente mondiale en numérique dans l'histoire de la licence. Nous nous réjouissons de pouvoir offrir une quantité incroyable de contenu, d'événements et de soutien gratuit à l'ensemble de la communauté après le lancement. Alors vous aurez noté des petites choses. Déjà, il n'y a pas de chiffres. Quand il n'y a pas de chiffres, bon, ça interpelle un peu, on peut se demander, d'accord, ça veut dire que c'est probablement pas une base ultra stratosphérique par rapport à ce qui avait été annoncé par le passé, où il donnait abondamment des chiffres, hein, que ce soit des chiffres de volume de vente, ou que ce soit des chiffres de chiffre d'affaires, là, il n'y a rien de tout cela. Vous aurez aussi noté qu'il parle non pas des ventes globales, mais des ventes en numérique. Dans une période pandémie, confinement, où on sait que le digital, le numérique, a explosé, donc quelque part, c'est pas étonnant qu'ils battent leur record sur les ventes numériques au lancement. Bref, bah j'ai hâte d'avoir véritablement les chiffres un peu plus précis pour qu'on puisse se faire une idée encore plus affinée du succès de ce titre que, véritablement, hein, j'ai trouvé assez bluffant, du moins sur Next Gen, avec des graphismes assez classe, et puis sur PS5, l'utilisation assez bluffante de la DualSense, la manette, hein, vous avez ma vidéo qui vous attend, si vous l'avez manqué, ou vraiment, en fonction des armes, on ressent le poids, les gâchettes adaptatives sont extrêmement bien utilisées, bref, bah, vous me direz ce que vous en pensez, mais à titre personnel, j'ai été plutôt séduit par ce retour de Call of. Ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années, mais celui-ci me paraît plutôt sympathique, du moins en tout cas, vraiment de ce qu'on attend d'un Call of.